Bonjour amateurs, amatrices de Star Citizen, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Keb, votre animateur. Ok, on va voir comment voir les FPS dans le jeu. Il y a plusieurs manières là. Moi j'ai une carte Nvidia. Avec la Nvidia, là, vous faites Alt-Z. Vous venez ici. Vous venez Layout, HUD Layout. Et là, Performance. On met, disons qu'on veut l'avoir ici, on le met là. Et puis là, quand on referme, vous allez avoir votre FPS ici. Non? Ben là, il est déjà là, mon FPS. Non? Mais moi, c'est une autre chose que je veux vous montrer. Si jamais vous n'avez pas cette façon-là ou que vous voulez avoir plus de détails, on appuie sur Alt-Z pour le refermer. Mais je ne voulais pas l'avoir, donc je vais l'enlever. Performance, off, voilà, il est parti. Ce que je voulais vous montrer, c'est une ligne de code à taper. Quand on appuie sur le bouton à gauche du 1, OK, on a ça qui s'ouvre ici. Et on peut écrire une ligne de code ici. Donc, on va écrire R, comme Robert, tiret bas. Je vais vous taper ça en bas de la vidéo, là. Display, D-I-S-P-L-A-Y, info, I-N-F-O, espace 1. Entrée. Voilà, ensuite on rappuie à gauche du 1. Et regardez ici en haut, là, on va le mettre un petit peu dans du foncé pour qu'on puisse le voir comme du monde. Voilà, vous avez votre FPS en temps réel ici. Là. Je ne comprends pas pourquoi ça bouge en même temps, ça ne devrait pas bouger pourtant, enfin bref. Voyez en haut, là, vous avez votre FPS. Puis vous avez d'autres informations, le FPS du serveur et ainsi de suite. Et voilà. Et puis ça, quand vous allez redémarrer le jeu, ça va disparaître. C'est pas vous qui gérez les FPS en passant. Comme là, on me voit à 30 FPS. Quand je suis dans l'espace, je monte à 60. C'est le jeu qui règle les FPS. C'est pas vous. Donc, si vous êtes à 30, là, c'est bon. OK? C'est pas à vous de gérer ça. C'est au jeu. Voilà, les amis, c'était la petite vidéo concernant le petit code d'entrée pour voir ces FPS et les FPS du serveur aussi. Et sur ce, je vous dis bon jeu sur Star Citizen, amusez-vous bien, n'oubliez pas qu'on a un Discord à disposition pour tous les francophones du monde, et je vous dis à la prochaine vidéo!